Macron même combat. Au lieu de faire le bouclier humain, place Péberlan et place de la Victoire, venir ici concrètement débattre à la place de la Bourse et proposer alors des actions, je dirais, concrètes. Là, cette communication que nous avons entre nous, Gilets jaunes, c'est trouver des solutions après 3 mois de manifestation, donc à réaliser pour faire avancer la situation, pour stopper cet état totalitariste. Moi, par exemple, je m'occupe de la commission destitution Macron. Alors, dis-moi. L'écologie. L'écologie. Donc, n'hésitez pas à rejoindre ma collaboratrice. Bravo. Personne. Moi, je vous propose une commission sur les municipales 2020. On y va ou pas? Si ça intéresse de discuter là-dessus, on trouvera un endroit pour ça. Là, c'est le RIC. Donc, si vous avez des idées concrètes pour faire avancer le RIC, n'hésitez pas à rejoindre monsieur, là, notre gilet jaune. Mathieu, ouais. Mathieu, bravo. Là, ici, si les personnes veulent porter une commission, veulent proposer une commission que nous n'avons pas proposée, une pancarte, qu'ils viennent ici pour montrer qu'ils veulent porter une commission, proposez-la maintenant et mettez-vous par groupe. Oui, j'ai entendu, la retraite, la retraite. Un thème contre Sonos. Une commission pour s'attaquer aux financiers. Donc, puisque c'est surtout les financiers qui dictent aux politiques ce qu'il faut faire au détriment des gens. Et donc, voir pratiquement comment on peut faire des actions ponctuelles devant une banque en particulier ou des institutions financières. Par exemple, j'ai beaucoup d'amis qui vivent à Bacalan. Même s'il y a une grosse gentrification de la zone puisqu'il y a des travaux en cours, la zone est dégueulasse. Le port de Bacalan est dégueulasse.
des années que j'attends. J'avais pas connaissance du RIC, mais c'est sûr que pendant des années, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ces représentants qui s'imaginent que une fois qu'on a voté pour eux, on pense qu'on a carte bleue, qu'ils ont carte mouvement. Et du coup, je suis allé revisionner le live qui avait été fait avec Étienne Chouard et avec Maxime Nicole et d'autres intervenants. Donc, pour prendre connaissance un petit peu de ce RIC, parce que moi, ce qui m'inquiète dans le RIC, c'est que je pense que c'est pas clair dans l'esprit de tous les gilets jaunes, et je pense qu'il y en a qui s'imaginent qu'il faudrait renverser nos institutions et tout décider par le RIC. Et en fait, j'ai découvert que c'est pas ça en fait, qu'il y aurait toujours des représentants, mais sauf que la différence, c'est que ces représentants, ce seraient des mandataires qui seraient mandatés par le peuple et qui seraient dans le contrôlé par le peuple et qui seraient dans l'obligation de porter ce qui aurait été décidé tous ensemble par le RIC. À 18h à l'IUT Bordeaux-Montaigne. Alors, l'audition libre, comme son nom l'indique, vous êtes libre. Vous allez être convoqué à une audition libre. Notre conseil, c'est de s'y rendre, parce que si vous ne vous y rendez pas, potentiellement, ils peuvent venir vous chercher. C'est jamais agréable qu'on vienne chercher quelqu'un sur son lieu de travail ou à son domicile. Une fois que tu as ton audition libre, tu peux partir quand tu veux. Tu ne peux partir. En général, ce qui peut se passer, c'est qu'on te convoque pour une audition libre et quand tu décides de partir, ils te disent « Bon, ben maintenant, tu es en garde à vue. » Si vous êtes intéressé, vous trouverez donc ma collègue sur la gauche. Elle a un panneau où, en effet, il y a marqué « Formation express en sécurité ». Ici, formation en garde à vue. Cette formation express en sécurité vous permet d'avoir des outils dans le cas où vous êtes confronté à la violence policière. On n'a pas le choix actuellement que de gagner des euros pour dépenser de peu qu'on pourra bien pouvoir nous laisser, s'il vous plaît. Moi, ce que je vous propose, c'est qu'ensemble, on crée un système parallèle avec une nouvelle monnaie qui n'est pas créée par des banques, mais qui est créée par tout le monde. Tout le monde reçoit 10 unités de monnaie tous les jours. Et avec ça, on peut faire des échanges. Ça dépasse la gratuité, ça dépasse la technicité des banques. C'est quelque chose d'extrêmement puissant et vous n'en entendrez jamais parler à la télé. Il suffit que vous ayez sur internet et vous tapez monnaie libre. Mais l'euro il a aucune valeur. Le dollar il a aucune valeur. Il est plus corrélé. Il a une valeur parce qu'il est reconnu par les banques. Il est reconnu par les États. Il est garanti par les États. Voilà. Les 10 Le seul souci, c'est que là, on utilisait des méthodes comme on avait à l'ancienne, on avait l'ivreur de l'Aix, de Barcelonais. Et tout ça, maintenant, on ne peut plus le faire. Pour des simples raisons d'hygiène. Je dirais, c'est une question un peu pratique sur le RIC, l'initiative citoyenne. Est-ce qu'on a des éléments de réponse aujourd'hui sur comment se passerait une initiative, comment on organiserait cette initiative qui viendrait des citoyens? Déclencher un référendum dès que 20 000 personnes ont dit sur un site internet on veut absolument poser une question. Tout dépend de la question. Tout dépend de la question, mais je me demandais s'il y avait ce genre de discussion. C'est une bonne question. Je suis tout d'accord avec vous sur le comment on fait. Vous avez proposé de mettre en place un site internet. C'est pas aux gilets jaunes de faire la police dans le mouvement, tout comme c'est pas à nous, citoyens, normalement, d'organiser nous-mêmes nos outils. On est censé avoir du service public. On paye, bon, moi pas encore, je suis étudiant, mais vous payez quasiment tous ici des impôts. Je pense que c'est pas à nous de le faire, vous voyez ce que je veux dire. On a des chaînes de télé, quasiment tout le monde chez soi a une télé. C'est vrai que c'est un outil de propagande énorme aujourd'hui. Je pense qu'il faudrait juste prendre la tangente en fait et modifier ces outils-là. TF1 peut être une arme pour le référendum d'initiative.